Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui à Port-Lonnain, à quelques jours du départ de la Vendée Arctique. Venez, suivez-moi. Bonjour Alain. Bonjour. Alors de retour sur Port-Lonnain. Exact. Après deux Vendée Globe, un premier Vendée Arctique. Ouais. Comment ça va se passer? Eh ben moi je suis très content d'être là avec ce beau bateau, un nouveau projet qui démarre, donc c'est que du bonheur. Content de repartir en course avec un bateau performant. C'est que du plaisir. C'est totalement un nouveau bateau là, carrément, on partait sur une autre gamme de bateaux. Là c'est un bateau qui bah, à l'époque était révolutionnaire. Enfin, à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps. Non, il n'y a pas longtemps, c'est vrai. C'est un bateau merveilleux, il vole au portant, c'est un bateau qui a énormément de qualité, c'est juste le jour et la nuit en fait en termes de navigation entre le bateau que j'avais à l'époque et celui-ci, c'est incroyable. Et donc à arpenter le Grand Nord comme ça, à passer, contourner des centres de l'est en ouest, ça va donner quoi? Eh ben ça n'a jamais vraiment été fait quoi, voilà. Enfin, du moins pas en solitaire, avec ces bateaux encore moins, c'est un défi. Il va falloir peut-être mettre à un moment donné la performance en deuxième plan. En deuxième plan, oui, peut-être. Parce que ça va être vraiment une course de marin, je pense. Et c'est très intéressant. C'est un bon exercice pour le Vendée Globe, je pense. Parce que là, en fait, vous partez, vous êtes à quoi, 200 km du cercle polaire à peu près. Ouais, bah on a les glaces qui sont vraiment pas très loin. Hein. Si on regarde les cartes des glaces actuelles, mine de rien, on va zigzaguer, mais on va pouvoir faire quand même attention. On a une zone de baleine qui est assez conséquente aussi. C'est vraiment un périmètre qui... Ouais, enfin, fais attention au bateau. Ouais. Qui avait quasiment jamais été fait. Non. La dernière édition, ils ont fait contourner avant les bateaux, raison climatique, météorologique. Donc là, on va voir ce qui se passe, si on fait le tour ou pas cette fois-ci. Bon, bah, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Un bon vent? Rien casser, faire plaisir, et une jolie place. Voilà, une jolie place. Bon, ça, donc on se retrouve ici, aux arrivées. Exact. Et puis on croise les doigts. Parfait, merci. Encore merci Alain. Au revoir. Merci, au revoir.